Dans la bibliothèque, Hermione leur dit tout ce qu'elle savait sur le polynectar. Silence! La fabrication d'une... Je suggère à messieurs Potter, Wesley et Londubat de m'écouter attentivement. Faites attention, Potter. Il s'agit d'une potion Wiggenveld. Puis, il faut appuyer sur les trois symboles indiqués juste... C'est passable. Il faut... Rappelez-vous que lorsque le chaudron est plein, vous pouvez... Le cours est terminé. Bonjour les garçons. Je me demandais justement si vous pouviez me rendre un service. Bien sûr, Hagrid. C'est bientôt Halloween. Et mon potager aux citrouilles est un fest... Je m'en charge, Hagrid. À faire ? Oui, chercher du polygonome et du sisymbre. Voyons si tu arrives à débarrasser mes citrouilles de ces fichus gnomes. Pour lancer les gnomes, appuie sur la touche carrée, ce qui te donnera de la vitesse. Dès que tu es à la clôture, appuie, lance les gnomes aussi loin que tu peux, Harry. Un superbe lancer. Très bien, Harry. Tiens.
Tu t'es bien amusé, pas vrai, Harry ? Merci d'avoir sauvé mes citrouilles, Harry. J'espère que tu feras bon usage de la peau de serpent d'arbre. 1000 méduses, on n'a pas vu passer le temps. Tu ferais mieux d'aller au terrain de Quidditch. Le match contre Serpentard va commencer. Tiens, dépêche-toi, tu vas être en... Tu as réussi à te procurer du 6... J'ai du 6 imbres, mais ce n'était pas facile. Nous allons maintenant nous rendre au match de Quidditch, le plus important de la saison, entre Serpentard mène par 60.0 sur les balais de course les plus rapides. À toi de jouer, Harry. Le seul moyen de gagner, c'est de... Je n'arrive pas à arrêter ce cognard. Qu'est-ce qui se passe? Ça va, le balafré? Quelqu'un a trafiqué ce cognard. Voici le Vif d'Or. Malfoy est dessus et Potter... Les voilà qui pourchassent le Vif d'Or, qui s'approche des tribunes. Incroyable! Je les ai perdus de vue. Ha ha ha!
été touché. Il tombe. Nous allons maintenant nous rendre Serpentard. À toi de jouer, Harry. Je n'arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? Ça va, le balafré? Quelqu'un Voici le Vipdor. Malfoy et deux... Les voilà qui pourchassent le Vipdor. Qui s'approche des tribunes. Incroyable. Je les ai perdus de vue. Ah!
Potter pourchasse le Vif d'Or. Vas-y, Harry. Fabuleux Griffon. Attention, Harry. Le bras de Harry formait un angle inquiétant, mais il serrait le Vif d'Or dans sa main valide. On a gagné! Le professeur Lockhart demanda à Harry de rester couché pour pouvoir soigner son bras. Une sensation étrange et désagréable se répandit aussitôt dans son bras, depuis l'épaule jusqu'au bout des doigts. Son bras ne lui faisait plus mal, il avait même l'impression de ne plus en avoir du tout. Oui, en effet, c'est une chose qui peut se produire de temps en temps. Il ne te reste plus qu'à aller à l'infirmerie. Madame Pomfraîche n'aura qu'à arranger ça. Un instant plus tard, Dumbledore pénétra dans la salle à reculons, portant un objet long qui semblait être une statue. Le professeur McGonagall portait l'autre bout de la statue qu'ils déposèrent sur un lit. Cela signifie que la chambre des secrets a bel et bien été ouverte. Une deuxième fois. En chuchotant, Hermione dit à Harry que le moment était venu de rassembler les ingrédients pour le polynectar. Dès que ton bras sera guéri, tu devrais aller au chemin de traverse. Le deuxième trimestre était largement entamé quand son bras guérit. Et sur les conseils d'Hermione, il prit le train pour Londres. Sur le chemin de traverse, il rencontra Hagrid. Va acheter tes trucs, Harry. Moi, je vais retrouver... On se retrouve ici. Fermé pour cause de vacances. En raison d'une émeute causée par... Parti observer les... Harry, j'ai trouvé l'endroit idéal pour fabriquer le polynectar. Les toilettes de Mimi Géniard... Ravissant les cache-oreilles, Potter. Oh, désolé, j'avais oublié. Tu es presque aussi marrant que Ruzard, Malfoy. Et maintenant... Très bien, Binoclard. Ah, à propos, je t'ai... Aidez-moi! Quelqu'un a lâché une bande de lutins dans ma boutique et ils cassent tout. Je vous donnerai tout ce que vous voulez si vous pouvez les empêcher de détruire ma boutique.
être plus rapide et... plus rapide. Avez-vous des sangsues ? Et voilà. Bienvenue à la ménagerie ma... Il n'y a pas vraiment d'ambiance. C'est mieux comme ça? Que désirez-vous?